Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve de nouveau dans la salle collection pour les reviews, pour la simple et bonne raison que j'aménage l'étage pour les enfants différemment, pour leur adapter leur salle de jeu différemment, donc il n'est plus possible de faire pour le moment des reviews dans la salle à l'étage, donc ce sera ici pour le moment et pendant les 6 prochains mois, ce sera ici que ça se passera, parce qu'également je suis en train d'aménager une pièce de 40 mètres carrés à côté pour la transformer en salle de collection. Ici ça fait à peu près 3 par 4, ça fait 12 mètres carrés, je commence vraiment à être à l'étroit, donc j'ai une grande pièce de 40 mètres carrés qui va servir vraiment qu'à la collection. Je vais pouvoir exposer les choses bien aérées et avoir une collection bien espacée. Donc on se retrouvera ici jusqu'à la fin de l'année, je pense, pour de nous faire des reviews. Je pense pas que ce sera forcément de moins bonne qualité. On retrouve un petit peu l'ambiance collection derrière, etc. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Mais jusqu'au début de l'année prochaine, malheureusement, il faudra s'y faire. On revient à la review. Review sponsorisée par mon ami de chez Figurine Collector, Marc, que je remercie. Sponsor principal de la chaîne. Donc c'est lui qui m'a procuré cette statue. Toujours pour moi, personnellement, une superbe réussite hein, de la part de chez Sideshow. C'est une licence que Sideshow a produite elle-même, Cards of the Dead, avec des personnages principaux qui sont créés par Sideshow également. C'est pas du film, c'est pas de la BD, c'est pas de la série, c'est vraiment une interprétation 100% Sideshow. Visuel, Cleopsis, Ether of the Dead. Vous savez, je vous ai déjà présenté deux personnages féminins, c'était Geshmoni et Kyr. C'était deux personnages qui sont déjà en review sur la chaîne. Ici, on a donc Cleopsis, qui est une représentation un peu égyptienne d'une déesse démoniaque de l'enfer et de la mort. On voit le visuel de chez Sideshow, c'est toujours quelque chose de magnifique, un artwork superbe. C'est du premium format, donc on aura un mix média entre du tissu et de la résine. C'est ce que moi je préfère le plus dans les statues, c'est quand on n'a pas uniquement de la résine, à part les Prime One que vous voyez derrière, qui eux arrivent à... comment dire, à créer un effet de matière et un effet de tissu sur de la résine. Sideshow n'est pas encore à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je préfère avoir des vêtements sur les Sideshow. Artwork, on a donc Cleopsis, Ether of the Dead. Sur le côté, on retrouve donc Cleopsis en espèce de format dessiné sur son trône avec des paysans qui se prosternent devant elle. La statue masquée, le visage deuxième HS qu'on a démasqué, l'espèce de serpent dragon que l'on a sur le dessus avec les effets bleutés qui sont d'un superbe effet. Et puis on voit le paint avec les ongles vraiment dégueulasses qui sont peints vers le bas. Le site internet, corpseofthedead.com, le logo Sideshow. On retombe sur la même chose sur ce côté-là. Et puis sur le dessus, on retrouve le logo Cards of the Dead. Et sur le bas, mais l'édition 1434/3000, il n'y a pas de version exclue sur les Cards of the Dead pour le moment. Donc ce sont des versions collectors, comme ils appellent ça chez Sideshow. Et il y a une seule édition, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins il n'y a pas deux HS avec uniquement un HS sur la version exclue. Ici on a vraiment tout en un seul package. Cette statue vous pouvez la trouver donc chez Marc de chez Figurine Collector. Je vous mets le lien dans la description. Elle coûte dans les alentours de 499€. Donc n'hésitez pas, ça devient quand même une statue qui est encore dans l'ancien tarif de chez Sideshow, puisqu'aujourd'hui, des premium formats de Cards of the Dead, tel Malafestros, qui est un clown que je vais prendre, qui est juste magnifique aussi, eh bien, un clown de ce genre-là, on est aux alentours de plus de 600€ maintenant sur du premium format, ce qui est quand même énorme par rapport au tarif que l'on avait avant pour les premium formats en question chez Sideshow. Ben écoutez, on est parti pour le montage, à tout de suite. Au niveau du montage, on commence comme toujours par la base. Alors, magnifique base, hein, je vous laisse la découvrir avec moi en même temps. Donc, avec des inscriptions un petit peu égyptiennes dessus et autres. Des espèces de raisins, ou non, même, oh, excusez-moi, c'est pas des raisins, ce sont carrément les petits scarabées. Des raisins, n'importe quoi. Ce sont plein de petits scarabées qui viennent justement, vous savez, comme dans le film La Momie, les petits scarabées bleus qui viennent donc bouffer les corps. Donc, on a toutes ces inscriptions égyptiennes dessus. Le dessous, on retrouve donc le logo d'un énorme serpent avec Cleopsis, Ether of the Dead, 1434x3000. Une superbe réalisation au niveau du socle de chez Sideshow, comme toujours. Et on retrouve le logo Cards of the Dead qu'on retrouve là, qu'on n'avait pas spécialement sur les autres versions, donc c'est assez joli d'avoir mis en face avant. Je la place. C'est parti. Ensuite, on va retrouver le corps. Donc, en vêtements et tissus, hein, comme tous les premium formats qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le corps avec pas mal de détails. On peut constater le sceptre, les gourdes, les parchemins, du tissu forcément pour tout ce qui va être jupe et autres. Donc ça, c'est juste magnifique, toujours chez Sideshow. Donc vous voyez un petit peu le détail, même chose sur les pieds, le paint,
les squelettes, etc. Donc vraiment, vraiment quelque chose de magnifique, toujours chez Sideshow. Quand ils ont une licence qui leur appartient, ils se débrouillent plutôt pas mal. Câblé, tout ça, donc on peut, même chose, donner du volume si on veut. Je la place. En trouvant le sens. C'est parti. Magnifique. Je sais pas quoi ressemble les graisses, c'est déjà je kiffe. Alors, un bras. Donc ça, c'est un des bras avec le sceptre. Le sceptre, même chose, je vous laisse voir un petit peu la qualité. Le crâne, etc., qui est reproduit dessus, et puis une espèce d'ossement pour tout le contour, c'est vraiment super, super joli. Le bras, avec même chose, cette truc de tissu qui revient se remettre par devant. Top. Alors, est-ce que l'aimant est bien fort pour que ça tienne? Oui. Et puis, il y a un petit peg ici à venir enfoncer pour tenir le poids de l'arme en question, enfin de son sceptre. Donc, bien pensé ce petit peg en question, vraiment joli. Donc, vraiment, elle prend déjà une belle prestance. On continue, un autre bras, avec les ongles, donc ce que je vous disais, avec le superbe, même chose, serpent, avec le bleu qui fait un effet phosphorescent, comme s'il y avait une LED dedans, qui est juste des plus belles effets. Donc ça, ce truc bleu revient souvent sur Kyr, c'était au niveau de son bras et de l'espèce de pouvoir qui était sur son bras et autres, donc ceci est vraiment joli, regardez les ongles. Il y a un clown, ce sera peut-être le seul personnage masculin que je vais acheter. Il y a une espèce de clown un peu fou du roi qui sort dans cette licence en question, qui est juste magnifique. Mephistos, il s'appelle, et lui, forcément, il est obligé que je le prenne, parce qu'il a plein d'effets bleus également de ce même genre, et je trouve ça juste sublime. Tabelac. Le HS, et son nombre de deux, je vous montrerai tout de suite l'autre après. Donc le premier. Une tuerie aussi, vous voyez les yeux un peu bleus. Le masque de métal qui est mis dessus, mais qui est en résine, mais qui est peint façon métal. Regardez ici l'espèce d'énorme abeille qui est dessus aussi. Les lanières qui tombent, donc magnifique. Le masque ne s'enlève pas, c'est juste justement le deuxième HS où on a le masque qui est donc enlevé. Donc là on a derrière, et ici on va voir les cheveux qui vont venir se mettre. Voilà. Les cheveux justement... en espèce de tresse, vous voyez, super joli aussi, avec tous les anneaux qui sont repris dessus, qui nous feront des cheveux en espèce de rasta ou autre, mais hyper joli, qui va venir se mettre derrière. Donc on vient glisser là, hop, et on remet la tête, c'est aimanté, ça tient super bien. Vous voyez la finition que ça donne derrière, c'est juste magnifique. Ça, c'est la première version que l'on peut avoir. Donc, on peut arranger forcément les vêtements avec toute la ferraille qui est dessus pour donner l'effet que l'on désire aux vêtements et représenter quelque chose de joli. Donc, vous voyez, on peut vraiment écarter toute la ferraille pour bien écarter et bien donner la forme que l'on veut aux vêtements. Même chose pour ceci, c'est câblé aussi, vous donnez la forme que vous voulez aussi. Idem pour la robe et autres, on peut la replier derrière comme on peut la ramener devant si on veut aussi la cacher les jambes ou autre. Donc on met vraiment le faire passer son tissu. C'est ce que j'aime vraiment moi dans les premium formats, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est justement ça quoi. C'est justement que l'on a donc du tissu en plus de la résine qui habille le personnage et que ce soit les musclores, etc. Tout ce que j'aime, c'est vraiment 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 ce que je préfère chez Sideshow quand ils font du premium parce qu'on a vraiment quelque chose de vraiment vraiment sublime. Je vous montre également le visage, donc sans masque, à tout de suite. Donc le deuxième HS, pardon, j'ai été appelé, donc c'est pour ça que j'ai dû partir, excusez-moi. Voilà, donc le deuxième HS, donc HS qu'on va retrouver avec le masque enlevé. Et donc là, on voit le paint avec les yeux un peu... Vous voyez les yeux, je vais essayer de vous faire un petit zoom sur les yeux, que vous puissiez voir ça. Les yeux peints façon zombie, comme ça, c'est super bien géré avec le violet sur la peau. Vous voyez un peu la texture que l'on retrouve sur la peau, un peu comme s'il était momifié, donc super joli également ce HS. Donc on peut enlever à ce moment-là le premier. Bien faire attention de bien tenir les cheveux. Et donc à ce moment-là, glisser le deuxième. Et on retrouve donc le visage non masqué, aussi magnifique que le premier. Donc superbe, superbe réalisation quand même de la part de Sideshow. Faut dire ce qu'il est. Elle est juste magnifique, cette statue. Tuerie. On est parti tout de suite au visuel, à 360 degrés, à tout de suite.
Voilà les amis, donc review sur Cléopsis qui touche à sa fin. Conclusion de cette statue, ben, toujours ultra soignée par Sideshow, c'est leur bébé à eux, c'est leur licence, c'est leur création, donc tout est vraiment ultra soigné, il n'y a rien à côté au niveau du paint, tout est vraiment super géré, c'est super joli, les effets bleutés, tous les effets de nuances, les espèces d'ailes de scarabée qu'il y a derrière, etc., les vêtements, le weathering sur les vêtements, tout est vraiment ultra magnifiquement géré par Sideshow là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, ils soignent vraiment leur licence et ça fait plaisir, il faudrait qu'ils fassent pareil sur d'autres choses. J'ai pas de points négatifs, j'ai vraiment que des points positifs, tout est vraiment super joli, les deux HS, pas de version spécialement exclue, les ongles sont magnifiquement faits, les pieds, les accessoires, le brossage, les vêtements, c'est une tuerie, pour moi c'est un 100%. Si je dois critiquer, trouver un micro-truc embêtant, c'est qu'il n'y ait pas de socle pour poser le deuxième HS, comme toujours chez Sideshow. J'aurais déjà envoyé des mails en leur demandant d'essayer de faire quelque chose là-dessus, d'essayer de bouger, d'essayer de trouver quelque chose pour poser le socle sans devoir demander à X ou Y de devoir faire des socles et autres. Surtout que c'est très compliqué avec des longs cheveux ou autres de faire des socles pour tenir des têtes. Donc là, vous voyez, elle tient parce qu'elle appuie sur le socle, donc je peux la mettre à côté, le deuxième HS. Mais sinon, j'ai rien pour le tenir et c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas pouvoir exposer les deux têtes l'une à côté de l'autre et d'avoir un petit socle. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des reviews. Je suis occupé à faire d'autres choses, donc je suis obligé de vous laisser aujourd'hui pour ça. On a fait donc 3 reviews aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça ne vous dérange pas de nouveau de revenir ici pour quelques temps pour les reviews. Mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement, donc je serais vraiment désolé. Et je préfère franchement faire des reviews dans des qualités quand même bonnes que de ne pas faire review du tout et que vous oubliez la chaîne et puis que vous vous disiez ben, il a peut-être arrêté ou quoi que ce soit. Donc pendant un moment, on reviendra ici pour les reviews. Je pense que ça ne changera rien pour vous au niveau de la qualité. On verra toujours très très bien les pièces. En attendant, les amis, je vous souhaite un bon week-end et on se voit la semaine prochaine pour d'autres vidéos.